des montagnes, des forêts. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, en rythme, allez, binaire. Quand c'est toi qui dis non, Johnny, on y est devant le Stade de France, hein? Tu fais l'amour avec les spectateurs. Vas-y. Quand ton premier soupir, voilà, c'est viril, ça, oui. Se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand
premier soupir. Se finit dans un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 comme mon corps sur ton corps. Petit contretemps, voilà. Camille. Camille, tu es là pour nous parler de Raymonde. Bon, ben viens nous dire quelques mots, s'il te plaît. Voilà. C'est à toi. Alors, Raymonde Carrasco était une sémioticienne et cinéaste qui était professeure d'esthétique à l'Université du Mirail à Toulouse. Raymonde a travaillé sur le... Thank you.
paysages. Alors, bonsoir. Yael Antoine de la Compagnie Dell. Je suis ici ce soir pour vous parler de Raymond de Carrasco, une figure emblématique féminine. Tutélaire. Toulousaine. Raymond de Carrasco est une cinéaste qui est partie sur... Elle n'est quand même pas cinéaste à l'origine. Elle est d'abord professeure d'esthétique, enfin sémioticienne, et puis cinéaste, c'est pas un métier. Calme. Elle est cinéaste. Non, mais sémioticienne. Moi, je te dis qu'elle est cinéaste et avant tout, c'est une artiste. Non, mais c'est pas parce que tu es la préférée de Raymond, hein, que tu l'as suivie pendant des années, que tu as tout lu, que tu la connais mieux que moi. Moi, je la ressens comme moi. Je suis une artiste. Je suis metteur en scène, madame. Alors et alors? Alors moi, Raymond, je la ressens profondément. trouver la vérité, enfin sa vérité. Non, et surtout son... Non. Non, c'est trop. Non, mais Sophie, on ne peut pas tout le temps changer. Yael. Oui. Videz-moi le plateau.
J'aimerais bien que tu me donnes une petite anecdote sur Emmanuel, un petit détail, quelque chose de croustillant, une manie. Laura, Laura, arrête de m'interrompre. Tu as quelque chose à Laura, s'il te plaît, tu dépasses les bords. Tu veux parler de ta mère?